et en plus. Donc. Bon, effectivement, la première question à se poser, c'est pourquoi le RIC ? La réponse est évidente, c'est tout simplement que ça fait des années et des années que les gens qu'on élit ne font pas leur boulot, tout simplement. Notamment, ça fait 40 ans, vous avez des gens qui passent leur temps à nous expliquer pourquoi on ne peut pas imposer les plus privilégiés de notre pays comme les autres. Et ils nous font de la pédagogie pour ça. Mais c'est pas ce qu'on leur demande. Nous, ce qu'on leur demande, c'est de trouver les solutions politiques pour imposer ces gens-là comme les autres. Parce que le fait de ne pas les imposer comme les autres, c'est parasitaire sur le plan économique. Ces gens-là n'investissent pas. Ils accumulent tellement d'argent qu'ils n'ont pas assez. Il n'y a pas assez de richesse matérielle aujourd'hui dans la société de nos jours pour qu'ils puissent dépenser leur argent. Parce que quand ils ont acheté 5 villas, 4 bateaux et 10 voitures de luxe, ils ont à peu près fait le tour de la question. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils placent leur argent et ça tourne dans la sphère financière. Et donc on a accepté depuis 40 ans que ces gens-là, eh ben, ils font sécession face à l'impôt parce qu'ils estiment que les taux d'imposition sont trop privatifs. Et donc ils nous expliquent que non, faites-nous des cadeaux parce que sinon on va partir. Ben, nous, nos dirigeants politiques, leur boulot, c'est de trouver les solutions politiques pour que ces gens-là ne puissent plus faire du chantage. Parce que l'argent, il est là. Je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, mais cet argent au total, aujourd'hui, c'est 150 à 170 milliards par an. Le budget de recettes de l'État, c'est 240 milliards. C'est-à-dire qu'on a quasiment les trois quarts de l'argent collecté par l'État, ou qui devrait l'être, qui vont dans la poche de ces 1 ou 0,1% les plus riches. Donc comme ils font plus leur travail, effectivement, on a décidé eh bien, d'avoir une possibilité d'intervention directe du peuple dans la démocratie pour pouvoir les contrôler et pouvoir faire nous-mêmes nos lois. On a également un élément qui, et ça j'en ai jamais parlé, mais bon, je pense que tout le monde est au courant ici, mais qui révèle la tartufferie de ces gens-là, l'escroquerie, ce sont les privatisations. Pourquoi privatise-t-on les autoroutes? Pourquoi privatise-t-on l'aéroport de Paris? Pourquoi privatise-t-on la Française des Jeux? Moi, je vais raisonner comme eux, comme des boutiquiers, comme des comptables, parce qu'ils nous parlent toujours de déficit, de dette publique, et on n'a pas d'argent, il faut faire des économies, etc., etc. Mais attendez, la Française des Jeux, c'est un patrimoine. Ça nous rapporte 800 millions d'euros par an. Je veux dire, toute personne de bon sens sait très bien que quand vous avez un patrimoine qui vous rapporte des revenus, vous conservez le patrimoine pour engranger les revenus. Vous ne vendez pas les bijoux de famille. Et c'est ce qu'ils font. Et ils nous expliquent, la bouche en cœur, que non, mais eux, ils sont pragmatiques, ils sont intelligents. Non, ces gens-là sont incompétents ou malhonnêtes. Hein, c'est la question à 100 000 dollars. Mais en tout cas, c'est soit l'un, soit l'autre. Et donc, effectivement, on n'a pas d'autre choix maintenant que d'essayer de reprendre eh bien, le pouvoir et de dire, bah, puisque vous n'avez pas fait le travail, on va le faire à votre place. Et on le fera beaucoup mieux. Phrygien, et qu'on nous a raconté la Révolution française, et qu'on nous a expliqué ce que c'était l'égalité, la liberté, la fraternité. Je me souviens parfaitement de ces moments. Je m'en suis souvenu en revoyant le film qu'on nous avait passé un soir sur la Révolution française. Ça a été un éblouissement. Et je me suis souvenu de ça. Et quand j'étais en cabinet, bah, j'étais très fier, je me promenais dans les salons, je voyais ces grandes fresques à la mairie de Paris. Si vous allez visiter ça, vous verrez les grandes scènes de la Révolution. Et je me disais, mais bon sang, pourquoi on fonctionne pas comme ça? Comment se fait-il que dans les cabinets, on réfléchisse tous de la même manière, qu'on soit tous effectivement gagnés au néolibéralisme, etc. On est tous sortis un petit peu du même moule. C'est pas ça l'égalité, c'est pas ça la fraternité. Et la deuxième chose que je me suis dite, c'est que ces questions-là, elles sont accessibles. Elles sont simples. Une fois que vous avez passé le barrage compliqué des sigles, etc., tu l'as dit tout à l'heure, t'as dit que tu t'es plongé sur le sujet du référendum d'initiative citoyenne. Et finalement, ces questions, une fois qu'on est plongé dedans, eh ben, elles sont accessibles. Et moi, c'est ça que je pense, je suis absolument convaincu qu'on est tous capables de faire bien mieux, parce que nous, on est guidés simplement par un seul intérêt, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on pense. Alors que on voit bien que les responsables politiques que nous avons, eh ben, ils obéissent à plein d'autres intérêts. Ils obéissent à l'intérêt de ce que pense leur parti, ils obéissent à l'intérêt de leurs propres préjugés. Et donc, c'est pour ça que moi cette question de la démocratie directe, c'est devenu, c'était une espèce de réveil au départ, au contact d'une réalité qui ne correspondait pas du tout à ce qu'on nous avait enseigné et appris. Merci. On peut réellement fonctionner qu'à condition que les citoyens s'intéressent aux affaires publiques, mais aussi participent dans l'intervalle entre les élections au processus de décision. Et donc, les Gilets jaunes, cette revendication de référendum d'initiative citoyenne, ça a été vraiment quelque chose comme, pour moi, une confirmation de ce que je pensais. Et donc, on a, mais on y reviendra peut-être,
tout à l'heure avec quelques collègues juristes et politistes, on a essayé de faire une proposition de RIC sans risque, hein, pour reprendre ton lapsus tout à l'heure, mais une sorte de RIC qui effectivement, alors bon, on y reviendra dans le détail, mais simplement, je voudrais simplement rappeler l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que les citoyens concourent personnellement à la formation de la loi ou au travers de leurs représentants. C'est-à-dire que, en fait, au fondement même du texte le plus important de notre histoire politique, il y a cette idée que les citoyens doivent participer à la fabrication de la loi. Et c'est une idée absolument centrale pour moi. Dimitri, j'ai pensé à une méthode, c'est « et aujourd'hui alors ». Bon, « et aujourd'hui alors ». C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit, on en a parlé tout à l'heure, « Ah ben on pourrait rétablir la peine de mort avec le référendum d'initiative citoyenne. » Bah, et aujourd'hui alors ? C'est bien pire dans le système actuel, ça serait beaucoup plus simple de le faire. Là, on nous dit, il y a un problème peut-être d'application. Bah, j'ai envie de dire, et aujourd'hui alors ? C'est bien pire. Il y avait une loi, par exemple, sur l'égalité qui avait été votée, je sais plus à quel moment, en 2005, il y avait la question des CV anonymes. Elle a jamais été appliquée. Je me souviens, j'étais à ce moment-là en cabinet, j'ai essayé de me batailler pour qu'elle le soit, elle a jamais été appliquée. Donc, voilà. Et aujourd'hui, alors, pensez à cette méthode, puisque je la trouve intéressante. On nous dit le pays est ingouvernable. Le président Macron, il a dit ça. Mais j'ai envie de dire, pardon. Et aujourd'hui, alors, dans deux jours, il va se rendre compte, comme ce pays est bien tenu et très gouvernable et très facile à gouverner. Voilà. Donc, systématiquement, on peut toujours opposer à ceux qui vous disent, les institutions actuelles, elles sont géniales et tout ça, avec le RIC, ça sera horrible. Bah, approfondissons un petit peu la connaissance des institutions et vous verrez que pratiquement tout le temps, ça marche. Est-ce que quelqu'un veut réagir justement sur... Seule phrase, on parlait tout à l'heure de l'article 6, c'est bien ça, donc où les citoyens ou leurs représentants, ce qui ne veut pas dire qu'à partir du moment où il y a des représentants, les citoyens n'ont plus le droit de parole. Simplement, quand on écoute les politiques actuelles, ils en ont retenu que ça, c'est-à-dire que comme il y a le « ou », ben, on a des représentants, donc nous, citoyens, nous n'avons plus le droit de parole. Si, nous l'avons toujours. Et c'est tous ces textes-là, en fait, qu'il nous faut nous réapproprier, bien les maîtriser, les étudier, les décortiquer et les réécrire de façon à ce que tout le monde puisse le comprendre. Tu parlais tout à l'heure, tu posais la question justement de savoir comment un RIC ne tourne pas au fiasco de 2005. Pour moi, il est essentiel que ce RIC soit décisionnaire, c'est-à-dire qu'on le cadre bien en disant qu'à partir du moment où on vote oui ou on vote non en fonction de ce qui a été proposé, le gouvernement ait un délai pour le mettre en application, mais ne puisse pas et ne puisse plus contourner notre bon vouloir, notre décision démocratique. Et c'est vraiment, je pense, là-dessus qu'il faut qu'on appuie au niveau du RIC, c'est que non, on n'est pas consulté, on est décisionnaire. Et qu'à partir de là, le gouvernement il puisse essayer toutes les entourloupes que nous avons, on ait anticipé tout ça, et qu'on reste maître et qu'on garde la main, et qu'il nous fasse pas poireauter pendant 15 ans pour le mettre en application. En fait... On assimile donc tout le temps souverainisme à nationalisme. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'in fine, on nous traite de fascistes. Bon, De Gaulle disait une chose assez simple, la souveraineté nationale se confond pour nous intégralement avec la démocratie. Pour une raison très simple, c'est que vous avez le peuple, a priori il est souverain, hein, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, et l'État est le représentant du peuple. Il faut donc que l'État ait le pouvoir. Parce que si c'est pas l'État qui a le pouvoir, le peuple ne l'a pas. Puisque le peuple délègue son pouvoir à l'État. Mais aujourd'hui, on a parlé là des traités européens. Et dans les traités européens aujourd'hui, il y a une telle délégation de pouvoir par l'État que nous ne sommes plus maîtres de notre politique économique. Nous n'avons plus la maîtrise de notre budget. Nous n'avons plus la maîtrise de notre monnaie. Et nous n'avons plus la maîtrise de notre politique commerciale. Alors, je sais pas si j'ai le temps de développer un peu ça. J'ai tellement de choses à dire, mais du coup, je vais faire juste ça, parce qu'après, j'avais 5 points encore, mais du coup, on va développer cette question des traités européens. Donc, premièrement, le budget, c'est quoi? C'est la fameuse règle qui vous dit, vous n'avez pas le droit de faire plus de 3% de déficit. Bon. Et on nous présente cette règle comme une règle de saine gestion budgétaire.
C'est extraordinaire. On a le droit de faire du déficit. Et ça fait 45 ans qu'on en fait. Donc tous les ans, on augmente la dette. Et à chaque fois qu'on veut faire une dépense publique, hop, 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 il y a la dette, on peut pas. Mais attendez, ça fait 45 ans que vous faites que l'augmenter tous les ans. Et vous nous dites que vous êtes des bons gestionnaires. Non, non, vous vous moquez du monde. C'est pas ça, être un bon gestionnaire. Quand vous avez une entreprise et que vous êtes en déficit, vous avez deux solutions. Soit vous baissez les charges, soit vous augmentez le chiffre d'affaires. Bon, baisser les charges dans un état, a priori, sauf à supprimer les gens, hein, c'est quand même compliqué. Ou alors, casser les services publics. Ah, ça résonne en nous. Non, en fait, le sujet aujourd'hui, c'est augmenter le chiffre d'affaires. Et dans un état, c'est très simple, faut juste résoudre le chômage. Si vous n'avez plus de chômage, que les gens à nouveau travaillent, ils vont cotiser, vous augmentez les recettes, et là, vous réglez la question du déficit. Bon, donc c'est comme ça qu'il faut prendre le sujet. Et donc, si pendant 2, 3, 4 ans, on fait un déficit à 7 ou 8%, mais c'est pas un problème. Le sujet, c'est juste d'avoir une visée à long terme, à 10 ans, et le jour où on aura le plein emploi, là, c'est certain, il faudra plus qu'on soit en déficit. Mais retrouvons le plein emploi, puis après, on viendra nous parler du déficit public. C'est la première chose. La deuxième, c'est la monnaie. Je peux, oui, pardon. Vas-y, mais après, on va faire tourner. Vas-y, okay. Vas-y. La monnaie. Mais je dis les choses vraiment très rapidement. Bon, aujourd'hui, on peut pas donc emprunter, les États membres n'ont pas le droit d'emprunter auprès de la Banque Centrale Européenne. Ce qui fait qu'il y a deux conséquences très simples. La première, c'est qu'on paye des intérêts sur la dette publique, là où nous pourrions ne pas en payer si nous pouvions emprunter directement auprès de la Banque Centrale Européenne ou notre Banque Centrale Nationale. Ça, c'est déjà 40 milliards par an dans le budget de l'État. C'est la première conséquence. Et la deuxième, beaucoup plus vicieuse, c'est que comme nous empruntons sur les marchés financiers, si nous ne menons pas une politique conforme à leurs intérêts à eux, eh bien, ils nous menacent de nous augmenter nos taux d'intérêt à nous. Donc, nous ne sommes pas souverains. Donc, nous ne faisons pas ce que nous voulons dans notre politique. Et troisième élément d'explication très rapidement, c'est la politique commerciale, c'est l'autre gros mot, c'est le protectionnisme, parce que le libre-échange, c'est merveilleux. Donc c'est à ce point merveilleux que nous vivons donc une situation depuis des années où les grandes entreprises des pays développés délocalisent dans les pays de l'Est à bas coût pour augmenter leurs marges et donc in fine les dividendes versés aux actionnaires. Et vous avez les salariés des pays de l'Est qui, eux, viennent dans les pays développés pour pouvoir mieux gagner leur vie. Je leur jette pas la pierre à eux, mais simplement, vous avez un système qui est complètement fou. C'est le déménagement permanent du monde, et on n'arrive à rien réguler, et au profit de qui ? Toujours les mêmes, c'est-à-dire les plus privilégiés. Voilà les trois problèmes qu'on a résumés schématiquement. Et simplement, pour conclure en termes de stratégie, en revanche, je pense que s'il y a eu un point de rupture démocratique évident en 2008, puisque la volonté du peuple n'a pas été respectée, suivant ce qui avait été exprimé en 2005, je pense qu'en termes de stratégie, c'est pas par un référendum qu'on arrivera véritablement à sortir des traités. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué aujourd'hui. Ils ont monté une construction européenne, c'était la stratégie des petits pas, pour faire en sorte qu'on puisse pas justement partir. Et on voit justement ce qu'ils font avec le Brexit, hein, parce qu'ils font tout pour empêcher le Brexit à la Commission européenne. Et je le sais, j'ai participé à une conférence restreinte, mais avec quelqu'un de mandaté par la Commission. Ils nous le disaient en d'autres termes, mais c'est à ça que ça revenait. Et donc, mais en revanche, une fois que vous aurez... donc je pense que dans la stratégie, il faudra laisser les personnes au pouvoir élaborer une stratégie. C'est-à-dire que le Frexit pur et simple, oui, article 50, pas de problème. Ça doit être leur cours ultime, ça. Mais avant, vous allez avoir des forces qui vont se mettre en mouvement. Vous allez voir les marchés financiers qui vont vous attaquer. Vous avez l'Allemagne qui, évidemment, va grincer des dents. Il va se passer des choses quand vous allez commencer à vouloir sortir de l'Union européenne. Vous avez une théorie, notamment d'Emmanuel Todd, qui explique que peut-être, malheureusement, même si a priori on n'est pas très attentiste et qu'on aimerait arrêter de s'aligner sur la politique, sur la géopolitique américaine et d'arrêter de faire les guerres à leur place ou à leur côté, peut-être qu'on aura besoin de s'appuyer à un moment donné sur les États-Unis pour se sortir de la domination allemande. Ce que je veux dire par là, c'est que cette question, elle est complexe en termes stratégiques pour sortir des traités européens. On claque pas des doigts comme ça. C'est une nécessité absolue, mais il faut quand même prendre en compte les rapports de force qui jouent. Vous avez là des gens qui ont travaillé à une construction européenne depuis des années pour que ça serve leurs intérêts, hein, les banquiers et les actionnaires. Ils vont pas lâcher le morceau comme ça. Mais en revanche, si demain, et c'est mon mot de conclusion, si on a le RIC sous une forme qui reste à déterminer, ça veut dire qu'on a un contrôle sur nos élus.
C'est-à-dire qu'on peut plus nous la faire à l'envers. On peut plus nous dire oui, on agit pour vous, Et ils font tout le contraire. Donc ça veut dire notamment par le biais du référendum révocatoire, c'est que s'ils font pas ce qu'on leur a demandé, si on voit bien qu'ils se moquent de nous et qu'ils sont pas en train d'essayer de nous sortir des traités européens tels qu'ils existent aujourd'hui, ben on les mettra dehors. Voilà. Très simple. Dimitri, tu voulais... si vous changez votre article 3 et que vous rajoutez d'initiatives citoyennes ou pas, et que moi, étant pouvoir politique, je vous donne un RIC où il vous faut 10 millions de signatures, vous n'avez pas le droit de les récolter sur Internet et vous avez 3 mois pour les récolter, vous réussirez jamais. Donc, ce que je veux dire par là, je dis pas c'est ce que vous proposez, hein, je sais que c'est pas le cas, je dis juste que vous arrêter à la revendication du RIC sans vous intéresser aux détails qui ont l'air un peu embêtants, c'est vous tirer une balle dans le pied et être sûr que vous donnez la possibilité à votre adversaire de vous donner ce dont vous avez l'impression que vous avez demandé, mais en fait à l'intérieur la boîte du cadeau elle est vide quoi. Vous avez une belle boîte et à l'intérieur c'est vide. Donc voilà, il faut se poser des questions. Je pense au niveau fédéral parce qu'il y a 3 niveaux en Suisse, le niveau fédéral donc l'équivalent du niveau national pour nous, mais c'est une fédération, le niveau cantonal donc les régions mais qui ont beaucoup de pouvoir et qui sont infiniment plus puissantes qu'en France, et puis le niveau communal. Et là au niveau des cantons et au niveau des communes, ils ont aussi le référendum l'initiative législative et ils ont ce qu'ils appellent le recall, donc nous, ce qu'on appelle le révocatoire, et qu'ils ont dans plusieurs États américains aussi. Voilà. Donc là, vous avez, je dis pas que c'est le meilleur modèle, hein, mais là, vous avez un truc qui est relativement précis. Et il faut savoir quand même que c'est difficile de récolter vos signatures, notamment parce que c'est pas possible de le faire électroniquement. Donc, faut que vous alliez dans les différents coins pour les récolter vous-même. Il faut les faire valider. Il y a une industrie derrière qui se crée là-dessus. Il y a pas de limite à combien d'argent vous pouvez investir dans une campagne référendaire. Et c'est un gros problème. Ça veut dire que vous pouvez vous êtes un grand milliardaire, vous pouvez décider de mettre des millions dans une campagne pour dénigrer une initiative qui va vous inquiéter ou pour sponsoriser une initiative qui a une arnaque totale. Donc ça, le contrôle de l'argent dans les campagnes, c'est un truc absolument central. Si vous y pensez pas, vous en faites pas, ils penseront à ça pour vous et ce sera dangereux. Un autre point, c'est au-delà du contrôle de l'argent, qui est quand même quelque chose d'assez important. Il faut savoir quand même, et j'insiste là-dessus, qu'il y a déjà, c'est difficile de faire aboutir son initiative dans le sens de récolter des signatures dans la durée, mais ensuite en Suisse il y a à peu près 10% des initiatives qui ont abouti, donc qui sont approuvées par vote. C'est pas tout le temps, c'est pas beaucoup, etc. Ce qui est important quand même, et c'est ça qu'il faut aussi noter, c'est que du coup leur système politique ne fonctionne pas de la même façon, puisque les décideurs, les groupes d'intérêt, etc. savent qu'il y a la possibilité. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas, mais qu'il y a la possibilité de déclencher soit un référendum facultatif pour virer la loi, soit une initiative pour en proposer une nouvelle. Et du coup, ça crée une espèce de culture de la concertation, où il y a par exemple quelque chose qui s'appelle la phase pré-parlementaire, dans lequel, avant de discuter une loi au Parlement, la commission qui va bosser sur la loi va auditionner énormément d'ONG, de groupes, etc., de syndicats, pour s'assurer que ça va, qu'ils peuvent y aller. C'est pas la France, c'est pas moi, j'ai décidé, et puis ma majorité va voter, comme je lui ai dit, et puis c'est super, et puis au pire 49-3. Donc voilà, donc ça change beaucoup de choses. Là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses à retenir. Il y a deux choses à retenir là-dessus. Premièrement, ceux qui vous disent que tout change tous les jours, ils vous mentent. On vote pas tout le temps sur tout tous les jours, et on change pas tout le temps tous les jours. C'est des bêtises. Et qu'il faut être spécialisé sur tous les sujets. Pas du tout. Donc déjà non. Et deuxièmement, ah oui, mais les gens ne se connaissent pas tous les sujets. Voilà, la politique agricole, la politique économique, etc. Il faut considérer, et là je vous renvoie aux travaux de Raoul Maniberton, avec qui j'ai eu le plaisir de discuter sur Mediapart et qui était vraiment qui a écrit un très très bon article sur Mediapart, d'ailleurs les 10 erreurs qui circulent sur le RIC, je vous encourage vraiment à le regarder, où il nous dit, et c'est vraiment comme ça que c'est pensé, le RIC c'est un droit populaire, c'est un droit que vous pouvez utiliser ou que vous pouvez décider de ne pas utiliser. C'est comme le droit de vote. Vous avez le droit de vote, mais vous pouvez décider d'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Et du coup, c'est la possibilité de vous prononcer, de lancer une initiative, de signer une initiative ou de voter sur une initiative ou un référendum, sur ce qu'il vous importe, sur ce dont vous vous sentez compétent de discuter, pas nécessairement sur tout, c'est pas la peine. Voilà, moi, si demain, il y a un truc sur un sujet sur lequel je ne le maîtrise absolument pas, ben, j'irai pas voter, et ça me dérangera pas plus que ça, parce que... donc voilà, donc c'était un petit point de précision un peu technique et peut-être un petit peu embêtant, j'espère que non, mais important. Donc l'expérience que l'on voit dans les autres pays, notamment l'Irlande, on en entend parler, et puis même aux États-Unis et ailleurs, ça nous ramène à une autre question qui est celle de la
de la capacité du peuple à se mettre en mouvement et à essayer justement d'avoir de la bonne information. Est-ce que vous pensez que le RIC, dans un monde comme le nôtre aujourd'hui, avec les médias que nous avons, avec le système éducatif que nous avons, est-ce que on est prêt dans les semaines à venir ou est-ce que il va falloir changer des choses de ce côté-là? Non, ça c'est un point absolument capital. Quand on regarde par exemple en Californie, voire même en Suisse, il y a des initiatives qui apparaissent vraiment désirables. Par exemple, j'ai souvenir d'une initiative en Californie sur l'étiquetage des produits OGM, hein, c'est-à-dire qui obligeait les industriels de l'agroalimentaire à indiquer le fait qu'ils avaient utilisé des OGM, et aux États-Unis on utilise beaucoup d'OGM. Au début, avant la campagne électorale et au début du processus de l'initiative, la majorité de l'électorat californien était pour cette initiative. Entre-temps, il y a des milliardaires, il y a des groupes d'intérêts qui ont arrosé de campagnes, de publicité politique l'électorat, et à la fin, l'initiative a été rejetée, mais très très largement. Donc ça, c'est un point absolument capital. Il va falloir qu'on réfléchisse très sérieusement au financement des campagnes, et avec Terra Nova, on a décidé, en tout cas dans ce rapport qu'on a fait en début de semaine, on a décidé que pour lancer une initiative, alors ça peut avoir des effets pervers. Mais pour lancer une initiative, chaque citoyen ne pouvait pas mettre plus de 100 euros. Et pour participer à la campagne, il fallait des assemblées, il fallait des associations, hein, pour le oui ou pour le non. Et que là, la contribution des citoyens ne pouvait pas aller au-delà de 30 euros pour justement éviter ces interférences de financement qui pourraient pervertir le vote. Et puis nous, on a proposé une autre chose. Et c'est dans la lignée de ce que vous aviez fait à nous la démocratie, sauf que on vous a pas copié, on a eu la même idée. C'est une assemblée citoyenne qui est organisée pour chaque initiative, 100 citoyens tirés au sort, qui prennent au sérieux, qui se réunissent en 5 jours, qui étudient l'initiative, qui étudient les conséquences de chacune des options soumises au vote, et qui produisent un document qui est versé à l'ensemble de l'électorat, avec tous les arguments pour, tous les arguments contre, et avec les conséquences de chacune de ces options. Et pour nous, c'est quelque chose d'essentiel, parce que ça introduit un élément de délibération avec des citoyens tirés au sort, pour que le référendum ne soit pas uniquement composé de voix comme ça atomisées de gens qui peuvent finalement n'avoir jamais eu l'occasion de discuter de ces questions. Donc on a introduit cet élément, et c'est pour ça qu'on l'appelle le RIC délibératif, parce qu'il associe le tirage au sort à l'initiative. Mais il ne faut pas se masquer la situation. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des moyens de manipulation, de captation du vote populaire qui n'ont jamais été aussi puissants. Et il va falloir réfléchir très sérieusement aux façons de le neutraliser ou de l'empêcher. Que tu décris, les cette forme de démocratie soit moins bien gérée que d'autres, bien au contraire. Donc il y a vraiment, à mon avis, une confiance à faire dans les capacités des citoyens. Moi, j'ai passé ma vie à dire que les citoyens, une fois qu'ils étaient mis en situation d'être informés, mis en situation de discuter les uns avec les autres de manière ouverte et organisée, sont parfaitement capables de produire des jugements sur des questions incroyablement compliquées. Il faut accepter un axiome en démocratie qui est la compétence politique universelle de tous les citoyens. C'est absolument indispensable. Or, c'est vrai. Or, on est dans un pays, effectivement, qui fonctionne au mépris des citoyens, et ça a à voir vraiment, et j'arrête pas de revenir sur cette question, ça a à voir vraiment avec notre système scolaire. On a un système scolaire qui produit une forme d'élite qui devient très très sûre d'elle, qui devient vraiment arrogante à la limite parce qu'elle a gagné un concours, et puis qui considère que le reste des citoyens sont des losers, n'ont pas la capacité de le faire. Or, c'est une erreur fondamentale. Toutes les expériences citoyennes à travers le monde le démontrent, ça. Philippe.
Et puis on se pose la question, est-ce que le peuple français est prêt en fait à s'occuper de ses propres affaires? Effectivement, 200 ans à croire que la démocratie se résume à mettre un bulletin dans l'urne, on est peut-être un peu rouillé. Okay. Peut-être qu'on va avoir à faire un petit peu de gymnastique, nos écoles aussi, nos institutions aussi, nos journalistes aussi, un petit peu d'assouplissement démocratique peut-être dans tout ça. Mais le deuxième aspect de la réponse à la question, c'est est-ce qu'on est prêt à utiliser le RIC? Mais c'est une blague ou quoi? On a le droit de voter, on a le droit d'acheter une voiture, on a le droit d'acheter une maison, on a le droit de s'endetter jusqu'à 75 ans, on a le droit d'élire quelqu'un qui a le droit d'appuyer sur le gros bouton, et on ne serait pas capable de décider s'il faut écorner les vaches ou revenir sur telle ou telle loi parce qu'on considère qu'elle n'est pas juste pour l'avenir de vos gosses. Mais au nom de quoi? Alors, oui, je vais te donner la parole, Dimitri. Alors je suis obligé aussi de me faire l'avocat du diable, hein, de manière à ce qu'on ait justement un débat contradictoire. Alors s'il vous plaît, je joue l'avocat du diable. Donc que répondre à des personnes comme Olivier Duhamel, qui est un des pères de l'article 11 de notre Constitution, de la rénovation en 2008, hein, bien entendu, bien sûr, de 2008, avec le référendum d'initiative partagée. Que répondre à Raphaël Tentoven qui s'est exprimé sur le RIC? Que répondre au président, au premier ministre, quand ils vous disent que finalement le RIC ce serait de la démagogie, ce serait le populisme qui viendrait, on laisserait comme ça au peuple la possibilité de prendre des décisions sur des choix stratégiques pour la nation, et le peuple n'est pas suffisamment éduqué et intelligent pour pouvoir les prendre? Ok. Alors... Oui, alors du coup, beaucoup de trucs à dire. La première chose, c'est que c'est assez intéressant quand vous lisez des textes qui parlent de la Grèce antique, de l'Athènes antique, donc l'endroit où ils ont inventé la démocratie. À chaque fois que le mot démagogie ou démagogue est utilisé, il y a une petite note de bas de page qui vous dit « Attention, dans ce contexte-là, c'est pas péjoratif. Ça veut juste dire qui défend le Parti populaire et qui est pas un aristocrate. » C'est quand même hallucinant de se rendre compte que le mot a dérivé comme ça. Alors après, Platon, évidemment, dans la critique platonicienne, en fait quelque chose d'insultant, mais il faut savoir que Platon et Socrate sont des antidémocrates. Ils veulent pas que le peuple gouverne, le gros animal. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, le prisme dans lequel le mot démagogie et ensuite celui populiste vont s'insérer, c'est un prisme antidémocratique, platonicien, socratique. Et quand on regarde d'ailleurs l'évolution du mot populisme, en fait, c'est pareil. Il y a deux collègues, Federico Tarragoni et Antoine Chollet, chacun de leur côté, qui ont travaillé sur les évolutions du mot populisme, et en fait il montre qu'à la base, le populisme c'est pas du tout un truc comme on l'a accolé là, xénophobe, débile, etc. C'est un mouvement populaire qui critique les élites et qui demande plus de souveraineté pour le peuple et plus de justice sociale. C'est assez intéressant de voir que c'est devenu une insulte. Et là-dessus, d'ailleurs, il y a un excellent argument, je vais citer plein de monde, mais un excellent argument et vraiment un texte super de Jacques Rancière qui s'appelle « Non, le peuple n'est pas une masse brutale et ignorante » qu'il faut absolument lire, où il montre l'opération intellectuelle, l'arnaque intellectuelle qui est faite avec le terme populisme. Il dit quelles sont les définitions du terme populisme? A, le peuple doit être souverain. Bah, ça s'appelle la démocratie, le kratos au démos. 2, les élites sont corrompues. Enfin, il peut citer Cahuzac, Sarkozy, Woerth et compagnie, mais effectivement, il y a quand même pas mal d'éléments, notamment en France, et Mediapart fait un bon travail là-dessus, qui montrent que c'est, en effet, il y a de la corruption parmi les élites. Et 3, la xénophobie. Et là, Rancière dit, mais en quoi il y a un lien logique entre la proposition 1, la proposition 2 et la proposition 3? Et en fait, il montre que c'est une opération pour pouvoir discréditer le peuple en utilisant ce terme-là, attaquer ceux qui sont pas dans l'extrême centre, donc l'extrême gauche et l'extrême droite, et puis dire que donc finalement le peuple il a peur, et donc heureusement qu'il y a des élites plus évoluées que lui qui vont lui apprendre comment se comporter parce que c'est un enfant. Donc ça voilà, moi je pense qu'il faut se débarrasser, il y a des arguments par d'autres que moi qui sont plus spécialistes là-dessus, il faut se débarrasser de la peur d'être appelé populiste, voilà, premièrement. Deuxièmement, à nouveau, je trouve que l'argument de Mathieu est excellent, et maintenant les décisions elles sont bien, et maintenant les décisions sont informées, il y a des études quand même qui ont été faites sur la compétence politique des différents députés, élus et sénateurs sur tous les trucs sur lesquels ils votent, ils connaissent pas tout, ils sont pas spécialistes partout, c'est pour ça qu'ils ont des groupes qui leur disent comment voter. Donc ça c'est le premier point. Et puis un argument qui est utilisé aussi, c'est les pires décisions politiques. Pardon, je vais juste demander de faire moins de bruit parce que j'arrive pas du tout à me concentrer en fait.
Désolé. J'ai l'habitude, je suis pas l'habitude de ça. L'autre point, c'est un argument qui est assez intéressant, c'est que les pires décisions politiques qui ont été prises, ça n'a pas été des décisions validées par référendum. Le fait de décider de larguer une bombe atomique sur une population civile, c'est des élites qui ont pris cette décision. C'est pas le peuple, hein, on n'a pas voté pour utiliser l'arme atomique ou ce genre de choses. Donc, donc, voilà, quand on fait l'inventaire des décisions horribles qui ont été prises dans l'histoire, bah, la plupart du temps, elles n'ont pas été prises par le peuple, elles ont plutôt été prises par des élites. Donc voilà, c'est un autre... Et puis il y a une raison à cela qui est avancée de façon intéressante par des différents chercheurs, c'est que en fait les élites, et il y a des tests qui ont été faits, tendent à prendre des mauvaises décisions parce qu'ils n'ont pas de diversité d'expérience au sein de leur groupe. Ils ont tous fait les mêmes formations, ils pensent tous avec les mêmes mots, avec les mêmes cadres. Et en fait, du coup, il y a des tests qui ont été faits, c'est ce qu'on appelle la diversité épistémique, la diversité de connaissances sur différents points, où on se rend compte qu'en fait, des groupes de citoyens tirés au sort, non experts, mais divers, il y a des jeunes, des vieux, des ruraux, des urbains, et en fait, ils ont tellement d'expérience qu'eux, ils arrivent à résoudre un problème. Ce que les élites et les ingénieurs sont infoutus de faire parce qu'eux, ils voient les choses... Ouais. Autre point là-dessus, mais l'argument de la compétence, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve depuis très longtemps, donc j'ai des munitions. je me suis, parce que c'est le truc qu'on me ressort à chaque fois que je parle du tirage au sort avant de parler du RIC, et du coup, bon, j'ai des flingues chargées sur ça. Non, parce que c'est agaçant. Bon, un autre argument que je trouve assez intéressant là-dessus, c'est l'argument du fait qui a été fait plus ou moins par Philippe qui a été repris par Cornelius Castoriadis, qui est un philosophe absolument génial que je vous invite à regarder parce que c'est vraiment quelqu'un qui vous aide à penser des trucs et qui vous secoue un peu. C'est mais le fait que les volontés s'additionnent et qu'une volonté en veut une autre, c'est le principe du suffrage universel. Si on va jusqu'au bout et qu'on commence à dire qu'en effet il y a des compétences différentes et donc devrait y avoir une forme d'épistocratie ou d'aristocratie, de gens qui ont plus de connaissances, il faut supprimer le suffrage universel. Ça devient la logique des choses. Si jamais vous continuez en disant juste au bout que les gens sont pas compétents, il faut absolument pas qu'ils puissent ne serait-ce que élire leurs représentants. Il faut pas qu'ils votent, ils sont pas compétents. Donc, allons jusqu'au bout des choses. Voilà. Et encore deux arguments et j'arrête. Le premier, c'est que l'argumentaire classique du « ah mais ça va être le chaos », c'est l'argumentaire conservateur de base pour refuser le suffrage universel aux hommes, le droit de vote aux femmes, des droits civils pour les minorités, etc. C'est l'argument numéro un qu'on ressort, et il y a des études assez intéressantes qui ont été faites sur les débats autour du droit de vote des femmes. Mais mon Dieu, ça va être le chaos, elles ne peuvent pas réfléchir, etc. C'est toujours l'argument de ceux qui ont des droits de dire « ah mais non, si vous voulez, nous on sait les utiliser, mais si vous, vous les avez, ça va être horrible. » Donc voilà, et j'ai cette phrase-là que j'aime bien, que j'ai, ceux qui disent aux gilets jaunes, au peuple, vous allez faire n'importe quoi avec le RIC, c'est le même argument que ceux qui disaient aux femmes, vous allez faire n'importe quoi avec le droit de vote. Les écoutez pas. Dernier point, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est que on apprend parce qu'on pratique. Si jamais vous n'avez jamais été dans l'eau, vous n'allez pas savoir nager. Vous pouvez avoir des cours théoriques, mais vous saurez pas nager. Si jamais vous n'avez jamais à vous prononcer sur des orientations politiques, seulement sur est-ce que machin, il est plus beau, est-ce qu'il parle mieux que truc, ce qui est l'élection hein, à l'heure actuelle, parce qu'on sait que les gens lisent pas les programmes, on a des analyses là-dessus, vous n'allez pas développer votre muscle de compétences politiques. Vous allez l'atrophier parce que vous l'utilisez jamais. Donc, à l'inverse, si on pense qu'on a un système de RIC et de tirage au sort, c'est à peu près la même logique, où on sait que les citoyens ordinaires vont être amenés à se prononcer sur des enjeux de politique, les éduquer correctement devient un enjeu. Et pour les citoyens, apprendre des choses devient un enjeu. Et il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, notamment sur la connaissance des institutions de l'Union européenne. Ceux qui les connaissent le mieux, c'est les Suisses. Ils sont pas dans l'Union européenne, mais parce qu'ils votent dessus. Ils doivent se prononcer sur les enjeux. Ils sont consultés réellement sur rejoindre ou pas l'Union européenne. Du coup, ils connaissent le système. Et je m'arrêterai là-dessus vraiment. C'est un truc absolument passionnant que j'ai découvert. C'est pas moi qui ai fait les travaux, mais quand j'ai lu ces articles-là, ça m'a vraiment fait quelque chose. C'est ce qui s'appelle l'effet Pygmalion ou l'effet son inverse, c'est l'effet Golem. L'effet Pygmalion, c'est quand on dit à quelqu'un qu'il est compétent, cette personne devient compétente. Elle se conforme à votre prophétie.
Et en fait, c'est des tests qui ont été faits dans les écoles dans les années 60-70, où des psychologues allaient dans les écoles, faisaient passer des tests de QI aux élèves, en fait, et en fait, tous les élèves avaient un QI plus ou moins, plutôt moyen. Mais ils prétendaient, ils disaient, bon, bah, alors, ils disaient aux professeurs, notamment, bah, eux, ces cinq-là, ils sont très intelligents, ces cinq-là, ils sont un peu débiles, et la majorité, bah, ils sont normaux. Eh bien, ils repassaient plusieurs années ensuite et plusieurs mois après, eh bien, les notes suivaient. C'est-à-dire que les étudiants qui étaient dits compétents devenaient compétents, s'intéressaient, étaient motivés, apprenaient des trucs parce qu'on leur avait dit, mais oui, tu peux, tu es compétent. Et à l'inverse, l'autre, ceux qui étaient dits pas compétents, bah, on s'intéressait pas à eux et ça s'appelle l'effet golem, vous devenez de plus en plus débile. Et la même expérience a été reproduite avec des souris de laboratoire. Ce qui est quand même assez passionnant. Ça veut dire qu'à nouveau, les psychologues ont découpé les groupes de souris en trois et ils ont dit aux étudiants de labo, celles-là, elles sont très très intelligentes, c'est des orientations génétiques, on a pris les meilleures lignées, elles résolvent les labyrinthes très rapidement. Celles-là, elles sont un peu connes et celles-là, bon, bah, c'est la normale. Eh bien, les souris se conforment aux attentes que les étudiants de biologie avaient d'elles. Les souris qui étaient dites intelligentes résolvent le labyrinthe plus rapidement, augmentent leur performance. Donc, un système politique dans lequel on dit aux citoyens, écoute, t'es gentil, mais tu peux voter pour truc ou machin, parce que c'est grosso modo le choix que tu as, puis c'est tout. Puis après, si tu peux rentrer chez toi, ce sera bien. C'est un citoyen dans lequel il n'y a aucune incitation à devenir politiquement éduqué. Un système dans lequel il y a du tirage au sort, donc vous pouvez tirer au sort pour délibérer sur plein de sujets, où vous avez le droit de vote sur des orientations de politique, c'est un système qui vous dit, vous êtes compétent et vous allez faire les bonnes décisions et on vous fait confiance. Et ça change tout. Je vais te donner la parole, François. Alors, j'ose imaginer que ce que tu viens de dire, bon, ce sont des recherches, il y a des études hein, derrière tout ça. Donc, normalement, ils sont informés, puisqu'ils sont très compétents. Donc, normalement, ils ont ce type d'études qui leur sont mises sur la table. Donc, comment se fait-il que... Et quand vous entendez ça, justement, Laetitia, François, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'une arnaque? C'est-à-dire, ils sont peut-être au courant, on va leur laisser le bénéfice du doute, hein, s'ils sont très compétents. Comment peuvent-ils nier que, finalement, il y a une élévation de la compétence des citoyens grâce à ce type de mesures, alors qu'ils nous renvoient dans les dents que... Au contraire, ce sera le monde du chaos qui va régner. Allez-y. Quel serait leur intérêt de l'admettre? Ils en ont absolument aucun, puisque ce qui prime avant tout, c'est leurs intérêts et les intérêts des personnes qui sont encore au-dessus de leurs amis, de leur groupe, de leur parti politique. Donc il ne faut surtout pas admettre que oui, nous avons une capacité de réflexion intellectuelle et indépendante et qu'on réveille notre conscience et qu'on la réveille de plus en plus et qu'on est de plus en plus nombreux aussi à éteindre la télé vecteur de fausses informations ou informations orientées. Et donc oui, nous Français, nous sommes éduqués. Oui, nous, Français, nous discutons entre nous. Oui, nous, Français, on ouvre des livres et on se renseigne. Et oui, on s'élève intellectuellement un peu plus tous les jours. Et j'en viendrai à dire que si nos politiques nous trouvent si stupides que ça, eh ben, il faudrait peut-être revoir leur système éducatif, puisque nous en sommes le produit. Maintenant, une fois qu'on en sort, eh ben, on s'éveille. Moi, je vous trouve quand même bizarre. Moi, on m'a dit que les élections, c'était la démocratie. Vous y croyez pas? Personne ici. Éteins la télé. Ah mince, c'est ça. Je dois regarder trop la télé. Alors, il y a deux citations. Bon, il y a. Bah, toi aussi, mon Jérôme. Bon, il y a deux citations. Il y a Tocqueville. Hein, qui vous dit « je ne crains pas les élections, les gens voteront comme on leur dira ». Bon. Et puis il y a Coluche, hein, « si les élections servaient à quelque chose, ça fait longtemps que ce serait interdit ». Ça permet de répondre à l'argument que moi j'entends tout le temps de mes amis, hein, parce que mes amis ils ont voté Macron, ou Fillon. Hein. Ils ont d'autres qualités. Et il me répète tout le temps, mais on a voté, on a nos représentants, et donc la messe est dite et circulée. Bon, moi, je pense quand même que
il y a des difficultés qui se posent par rapport au RIC, qu'il faut pas non plus quand même balayer d'un revers de la main et dire que tout va être facile et que si c'est simple, on est tous très intelligents et tous très éclairés. C'est pas aussi simple que ça. Déjà, je pense que l'idée du RIC, elle est très bonne parce qu'elle peut venir en complément de ce qu'on connaît quand même, de la démocratie représentative. Et moi, je pense qu'il faut pas revenir... on va pas faire la démocratie totalement directe, hein. On va pas prendre toutes les décisions par référendum, aller savoir quel détail technique, dans le code de l'urbanisme, définir qu'il faut pas une échelle à plus de 2,50 m, mais à 2,80 m. Bon, a priori, on n'a pas tous envie de s'intéresser à ces sujets-là, hein. Donc, on a besoin quand même de représentants. Le problème, c'est que nos représentants, comme on le dit depuis le début, ne nous représentent plus, en tout cas, ne poursuivent plus l'intérêt général. Donc, en fait, c'est une démocratie semi-directe qu'on veut instaurer, me semble-t-il. On aura des représentants, mais on pourra intervenir, nous, le peuple, directement, et donc on pourra les contrôler, on pourra passer des lois, on pourra changer la Constitution si on veut, donc c'est le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Mais les difficultés qui sont posées, il faut donc pas les écarter, c'est l'éducation, on en a parlé, et c'est l'information. Bon. Moi, je pense qu'en fait... sans les écarter, c'est quand même, au final, c'est la clé du problème. Et c'est la solution, en fait. Parce que vous ne trouverez pas de formule magique. Hein. C'est-à-dire, ça fait quand même des milliers d'années qu'a priori les gens vivent en communauté. Il n'y a personne qui a trouvé le système politique parfait qui permet de servir le peuple. Ça n'existe pas. En réalité, s'il y a une formule magique, c'est uniquement d'avoir des citoyens éclairés. Vous pouvez écrire toutes les règles que vous voulez. Si vous avez... un peuple qui n'est pas informé et qui n'est pas éduqué préalablement, qui n'a pas l'esprit critique, il se fera avoir, à tous les coups. Et on en a la preuve sur un recul historique, je dirais, là, depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a eu un héritage incroyable du Conseil national de la Résistance, qui a instauré la sécurité sociale, les retraites par répartition, enfin, on a créé un truc incroyable. Ces gens-là avaient compris tellement de choses. Et ils nous l'ont cassé depuis 40 ans, 45 ans, il s'applique à nous le casser. Et nous, on est là, apathiques, et vous avez plein de gens qui comprennent même pas ça, et qui vous disent encore, mais je comprends pas, notre pays, il est formidable, on est l'État-providence, regardez ailleurs. Mais je m'en fiche de ce qui se passe ailleurs, moi. Moi, je vois qu'il y a 9 millions de pauvres, il y a 140 000 SDF. Je m'en fiche, en fait. Ouais. Alors, le problème, éducation. Là, en fait, il faut effectivement, ça se réduit pas au diplôme. Hein. Comme je le disais, mes amis, ils ont voté Macron. Et mes amis, ils sont plutôt avocats, dentistes. Enfin, vous voyez, ils ont le bac et ils ont fait des études supérieures. Bon, pour moi, politiquement, ce sont des débiles. Ils le savent. Hein. Je leur dis de manière un peu plus gentille, mais ça revient à peu près à ça. Bon, donc c'est pas la question, en fait, du niveau de diplôme. C'est la question d'être actif, de s'intéresser, en fait. Mes amis, ils sont pas stupides, simplement qu'ils baignent dans leur confort individuel. Donc ils se posent pas la question, en fait. Ils travaillent, ils gagnent de l'argent, le samedi ils vont faire les courses, ils font du shopping, et puis ils font des activités, ils sont très contents. La politique, en fait, ils s'en moquent, eux ils sont très bien. Donc le sujet c'est pas le niveau de diplôme, le sujet c'est de s'intéresser à la politique. Et il faut donc... qu'on saisisse cette opportunité incroyable qu'est née le 17 novembre 2018 et la présence extrêmement nombreuse des gens aujourd'hui le démontre, c'est qu'on a décidé de réinvestir la politique. Donc ça, c'est très important et c'est comme ça qu'on va arriver effectivement à l'éducation, à ce qu'on appelle l'éducation populaire, à élever le niveau de conscience de chacun. Bon, et puis ensuite, il y a l'information. Alors, l'information, déjà, qui est liée... faut déjà le lier avec l'éducation. On vient quand même de se prendre 45 ans de néolibéralisme dans la tête. C'est-à-dire que le poison, il a quand même bien infusé les esprits. Alors là, on est en train de se réveiller. Hein. Moi, je me suis réveillé il y a 3-4 ans, hein, je l'ai dit. Hein, on m'a posé la question, qu'est-ce que vous avez voté en 2007? J'ai dit Sarkozy, j'étais dans le coma politique. Voilà ce que j'ai répondu. Bon. Eh oui, mais je vais vous dire, j'ai même voté oui, moi, à l'époque, en 2005. Donc c'est vous dire à quel point j'étais dans le coma. Donc... Pardonnez-moi, mais j'espère que c'était mes erreurs de jeunesse. Bon. Et j'espère. Et l'information, effectivement, c'est primordial parce que quand vous contrôlez l'information, vous contrôlez évidemment l'opinion publique. Et là, on a une expérience médiatique
c'est un cas d'école depuis le mouvement des Gilets jaunes. Alors on vous parle de violence matérielle à longueur de temps, alors il y a une voiture brûlée, il y a une poubelle qui brûle, enfin, alors des dégradations matérielles, ça c'est extrêmement important. Mais les violences sur les manifestants, pendant un mois et demi, deux mois, on n'en a pas entendu un mot. Et nous, on voyait tous les photos circuler horribles sur les réseaux sociaux et on n'entendait rien. Et je me suis entendu dire par une journaliste, quand j'ai critiqué le traitement de l'information, « Oh non, vous pouvez pas dire ça, on en a parlé. » Non mais vous plaisantez. Bon. Ouais, voilà. Et vous avez également, la dernière en date, l'épisode de Finkielkraut. Où, alors c'est extraordinaire, hein, là j'ai dit ça ce matin dans une conférence. Donc moi j'ai reçu 200 signatures à peu près, des gens pour m'exprimer. Aujourd'hui, j'ai 60 000 personnes qui me soutiennent sur ma page Facebook. Bon. Moi, ma parole, à chaque fois, on m'explique, mais c'est pas pour me... Vous allez comprendre le raisonnement. C'est pour dire simplement que, quand je parle, on me dit « Ah, mais vous êtes pas représentatif, vous avez pas été élu, donc vous pouvez pas engager tout le mouvement. » Oui, bah d'accord, c'est vrai que tout le monde m'a pas désigné pour être porte-parole. Mais alors, vous avez trois gugus qui vont insulter Finkielkraut, et alors là, ça discrédite tout le mouvement. Tout le monde est antisémite. Pas d'amalgame. Voilà, mais c'est à géométrie variable, hein, le pas d'amalgame. Ça dépend. Donc, vous avez ce problème de traitement de l'information, et ensuite, il y a quelque chose qui a été évoqué par monsieur tout à l'heure. Je suis désolé, comme je suis arrivé en retard, j'ai pas eu le temps d'avoir la correction de regarder les noms des différents intervenants, mais vous avez dit une chose très importante. C'est effectivement déconnecter en fait les institutions des puissances d'argent, globalement. Et donc effectivement, il y a la question, parce que le RIC pose toutes ces... En fait, il pose toutes ces questions institutionnelles derrière. Donc déconnecter les puissances d'argent, ça veut dire comment on finance les campagnes électorales. Parce qu'évidemment, on le voit toujours, aujourd'hui, c'est les riches qui financent. Et bon, Macron, là, on est la quintessence, je veux dire, c'est incroyable. Enfin, quel richissime homme ou femme de ce pays n'est pas ami avec Emmanuel Macron. La question que je me pose, j'en ai pas trouvé un. Hein. Alors, nous ici, on n'est pas beaucoup, mais dès qu'ils sont riches, ils sont tout de suite amis avec Emmanuel Macron. Il y a une proposition, simplement, je la donne, parce que je l'ai entendu dans une émission de Julia Cagé, qui prévoit qu'on puisse faire des bons pour chaque citoyen, avec un montant déterminé. Donc chaque citoyen a la même somme à donner, et il décide chaque année, globalement, de la somme qu'il va donner à tel ou tel parti politique. Ça, moi, ça me semble être une vraie mesure concrète qui peut permettre effectivement d'empêcher que les très riches achètent l'élection, parce que c'est ça qui se produit. Donc, ils financent les campagnes électorales. Ils financent les campagnes électorales, mais en plus, pour vraiment être sûr de tout contrôler, ils sont donc neuf à détenir 90% des médias traditionnels. Donc c'est pour ça que les médias nous parlent jamais de ce qu'on veut, ils nous agitent un foulard là pour nous parler de l'islam. Enfin, vous avez à chaque fois les diversions qui sont faites pour essayer de diviser les gens. Et c'est pour ça qu'il faut pas louper là le moment qu'on vit actuellement, parce que sinon, je veux dire, il y a une seule chose qu'ils savent faire, c'est diviser. Et donc il faut absolument qu'on reste à se fédérer tous ensemble. On oublie droite-gauche. Droite-gauche, on en a rien à foutre. Je veux dire, c'est pas un sujet. Donc, François. Et je conclue. Pour être fédéré, faut rester sur les deux revendications. Institutionnellement, le RIC. Sur le fond, l'injustice fiscale et sociale. C'est tout. Tout le reste, la religion, l'immigration, etc. On verra après. Juste, on verra après. On est tous d'accord là-dessus. On reste là-dessus. Puis une fois qu'on aura réglé ça, on parlera des autres sujets. On pourra se refaire du droit de gauche, etc. à l'infini, si vous voulez. Mais on verra ça après. Parents, c'est quoi? Moi, j'avais... Il prend l'avion, etc. Moi, j'avais pris... Il y avait une fois quelqu'un que je connais qui est fonctionnaire international à l'ONU. Il était très énervé, il dit « Oui, mais quand même, c'est bientôt la fin du monde. » Et ces gens-là, et voilà. Je lui dis « Mais c'est quoi ton empreinte écologique à toi? Tu prends combien de fois l'avion par semaine ?» Par mois ou...
Il dit, ah, ben, ça fait deux fois par semaine. Je dis, mais tu te moques de qui? Tu représentes 1000 personnes qui prennent la voiture. Et toi, pour toi, c'est pas un problème. La démocratie, ça consiste à confronter ces positions, à dire, on a un problème. C'est quoi votre vision? C'est quoi votre vision? Et c'est pour ça ce que tu dis sur la diversité des intelligences. C'est très exactement ça. Moi, j'en ai fait l'expérience en cabinet. Les cabinets qui fonctionnaient à peu près bien, c'était des cabinets où il y avait un peu de diversité, il y avait des associatifs, parce qu'il y avait un petit peu d'idées. J'avais proposé, quand j'étais en cabinet, qu'on tire au sort un certain nombre de citoyens pour mettre en place des comités de travail, ou qu'on tire aussi au sort des associations. Bon, j'aime autant vous dire que la proposition... voilà. Mais parce que c'est précisément ça. C'est précisément ça, une question politique. Alors, simplement, sur les compétences, si les politiques, ils ont une compétence que moi, je leur reconnais. Je réfléchissais, je me disais, c'est quoi? Bah, ils veulent être élus. Eux, ils veulent être élus. Et c'est impressionnant, si vous avez certains et certaines d'entre vous qui ont des parcours politiques, eux, c'est le but de leur vie. Et ils y arrivent à un moment donné. Ils ordonnent tout pour faire ça. Ils y arrivent, ils rencontrent les bonnes personnes, ils font leur progression. Ça prendra 20 ans, ils seront peut-être élus dans un petit truc pourri, mais ça prendra 20 ans et ils y parviendront. Dernier point, avant que je discute cette question des élections, mais d'une autre manière que tu l'as faite, parce que tu as essuyé les plâtres et que je suis un peu lâche. Mais le dernier point, la France, c'est le pays des droits de l'homme. Voilà, moi, je suis très fier de la France. Et là, je voudrais dire un truc aussi aux Gilets jaunes, c'est le poète Louis Aragon, il disait, au sortir de la guerre, on en a parlé, il disait, il parlait du Parti communiste, mais il dit, mon parti m'a rendu les couleurs de la France. Bah, je suis désolé de le dire, mais moi, les Gilets jaunes m'ont rendu les couleurs de la France. Voilà. Ils m'ont rendu les couleurs de la France. Clairement. Voilà. J'ai jamais été aussi fier qu'aujourd'hui d'être français. Ça fait du bien. Quand on discute avec des gens, quand les gens relèvent la tête. Je vous donne juste une anecdote là-dessus, dans les arts. C'est un système où il y a ce genre de truc, des élections, etc. Si vous virez pour rien, pour avoir tordu deux, qui est aussi horrible que... Donc bon, ça se pense aussi. Quand même, il faut, un point de rappel historique, à l'origine, nos systèmes politiques, bon, je pense que tout le monde ici le sait, n'ont pas été conçus pour être des démocraties. Quand les pères constituants américains et français ont rédigé nos institutions avec de l'élection, ils n'avaient pas du tout la démocratie en tête, ils voulaient une aristocratie élective. Ils auraient voulu la démocratie, ils n'auraient pas pris l'élection parce que l'élection était considérée à l'époque par tous les philosophes comme Rousseau et Montesquieu comme étant antidémocratique profondément. Donc voilà, donc ça il faut déjà se rappeler ça. Et après, en effet, à nouveau, un argument qu'on va pouvoir vous sortir, ah mais si vous voulez plus du tout de représentants, mais les systèmes de démocratie semi-directe dont on parle, la Suisse, les États-Unis, les différents États américains, le Mexique, etc., ils ont des représentants. Enfin, faut arrêter de. Il y a qu'on me sorte les pays où ils ont un système de RIC où il y en a pas. Donc ça c'est l'argument typique de l'homme de paille. Je construis un argument qui n'existe pas, que personne n'a fait, mais je prétends que c'est ce que vous avez dit. Donc voilà. Donc ça, vous avez quand même une force là-dessus dans votre argumentaire, c'est de pouvoir dire mais ça existe et depuis longtemps et on a des données sur ces cas. Les États-Unis, la Suisse, il y en a beaucoup en Amérique latine aussi, beaucoup en Europe, et il y a des données là-dessus. Au niveau du coup du référendum révocatoire, ça existe aussi, ça s'appelle le recall aux États-Unis et c'est utilisé assez largement. Ça c'est finalement dans la logique du mandat. À nouveau, quand les révolutionnaires ont fait la révolution, ils ont viré les mandats. Maintenant, on appelle ça des mandats représentatifs, mais à l'époque ça voulait rien dire. Le mandat est nécessairement impératif. Vous faites ce que vous avez promis que vous feriez. Et vous vérifiez que ça correspond à aux gens qui vous ont donné le mandat, à savoir ceux que vous représentez. Et c'est la logique qu'ils ont en anglais, qu'on appelle la reddition des comptes, l'accountability. Mais à l'heure actuelle, on nous prétend que c'est les élections. Ah oui, la réélection. Si vous voulez vous faire réélire, à ce moment-là, vous donnerez des comptes de votre bilan. Mais déjà, si vous voulez pas vous faire réélire, il y a un problème. Et deuxièmement, des fois, c'est pas possible de se faire réélire. Et troisièmement, on pourrait penser qu'il y a d'autres formes de reddition de comptes, de devoir aller expliquer à ses représentants qu'on n'a pas fait ou qu'on a fait comme ci et comme ça. Et rapidement, du coup, là-dessus, c'est quand même assez drôle de se dire que... ce sont ces députés-là qui vont dire le licenciement doit être rendu le plus facile possible. Il faut flexibiliser le marché du travail pour pouvoir virer les gens du jour au lendemain, mais pas les élus. C'est très drôle quand même. Enfin, c'est à mourir de rire.
c'est à mourir de rire de voir les débats à l'Assemblée nationale sur ce, ou au Sénat, ce genre de truc. Ah oui, il faut qu'on puisse virer les gens, sinon c'est pas la liberté de l'entreprise. Mais si on réfléchit bien, les élus sont les salariés du peuple, et donc ils pourraient, devraient pouvoir les virer s'ils veulent quand même. Le droit au licenciement, oui, pour les élus aussi. Donc, et puis à nouveau, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se débarrasser de quelqu'un si jamais ça, si jamais le mandat ne va pas? Et très rapidement là-dessus aussi quand même, deux derniers points. On veut des gens. Ah, mon Dieu, on aurait des gens qui veulent nous séduire au lieu de prendre des décisions. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, qu'est-ce qu'on voudrait? Des gens qui font l'inverse de ce qu'on veut? C'est ce qu'on a déjà à l'heure actuelle déjà. Et ensuite, pourquoi? Enfin, ce serait quoi la logique? Je trouve ça très bizarre comme logique. Et aussi, ah oui, l'instabilité avec la révocation. Mais la stabilité, le système le plus stable, c'est la dictature. Voilà, le dictateur, il est là, il bouge pas, ou la monarchie absolue, voilà, le roi, il est là. La démocratie, c'est aussi l'instabilité, quoi. Au bout d'un moment. Et quand la stabilité produit le fait qu'on est en train de détruire la seule planète qu'on a, et qu'on appauvrit la population avec le fait que 26 milliardaires maintenant possèdent autant que 50% de l'humanité, et qu'on va bientôt plus pouvoir habiter sur cette planète, je suis pas pour un peu d'instabilité, voilà, on va dire ça comme ça. Dernier point, pour vous donner peut-être un peu de grain à moudre, il y a d'autres méthodes d'élection que ce qu'on connaît. Le suffrage uninominal à deux tours, c'est une absurdité totale. Il faut partir de ça. Il y a le système du jugement majoritaire, que je vous invite à aller voir. Il y a le système du vote de valeur, et là, vous votez sur toutes les options ou sur tous les candidats, et ça vous évite d'avoir à choisir à machin ou truc, mais machin a moins de chances que truc, alors je ne sais pas. Et dernier point quand même, une proposition que moi j'avais faite dans un papier il y a longtemps, mais que je trouvais intéressante, c'était à nouveau les logiques de tirage au sort. Bon, moi, à la base, je bosse vraiment sur le tirage au sort. Et une chose qu'on pourrait imaginer, que j'avais proposé, vous en faites ce que vous voulez, hein, mais on veut des propositions, donc j'en fais une, c'est que vous avez donc des partis politiques ou des groupements politiques, des mouvements, appelez ça comme vous voulez, qui présentent donc des programmes, mais il y aura des mandats impératifs, donc faudra appliquer le programme, et ils ne présentent pas de candidats en soi, mais ils présentent des énormes réservoirs de candidats, avec des centaines et des centaines de candidats, qui sont tous, du coup, on ne sait pas trop qui c'est. Et à la fin, une fois qu'on a les résultats, donc sur le programme, on n'a pas pu voter sur les candidats, il n'y en avait pas, mais sur le programme et sur les propositions, là, on tire au sort dans les partis l'équivalent de sièges de ce qu'ils ont eu, et ils appliquent le programme, puisque c'est pas eux. On n'a pas voté pour eux, on a voté pour les propositions. Bon, ça, c'est une... Voilà.